Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement socio-économique durable, l'ONG Mali Folk et Santé Agneta a organisé ce vendredi une journée porte ouverte à son centre de formation professionnelle sur les énergies renouvelables et le climat à Sélingué. L'objectif de cette journée était non seulement d'exposer les multiples activités menées au sein de ce centre de formation, mais aussi de pousser la jeune génération à faire les énergies renouvelables un levier de la croissance économique de la localité. Oumar Keïta pour le compte-rendu. L'une des motivations de cette journée porte ouverte de l'ONG Mali Folk Santé Agneta était de faire connaître ce centre multifonctionnel situé à quelques mètres du barrage hydroélectrique de Sélingué. Il a pour vocation de faciliter l'apprentissage et le perfectionnement des jeunes en matière d'énergie renouvelable et le climat grâce à des multiples modules enseignés. Au centre, on a appris la conception, comment est-ce qu'il faut dimensionner une installation avec un panneau voltaïque, de la réalisation de l'étude jusqu'à la réalisation à la maison. Aujourd'hui, nous disposons d'un espace qui est bien équipé avec des outils et aussi avec des professionnels qui ont plusieurs années d'expérience en matière d'énergie renouvelable, en matière de climat et en matière de transformation des produits locaux. Nous avons plusieurs bureaux et plusieurs centres, plusieurs classes de formation et aussi des espaces de démonstration. Donc ces espaces qui permettent aux apprenants de lier la théorie à la pratique. Avec déjà plus d'une quarantaine d'apprenants initiés à l'entrepreneuriat, ce centre s'impose comme un vecteur de croissance économique de la localité. Oui, vraiment, cultiver et créer tout à la surface de la terre. Donc voilà un peu ce que nous donnons, c'est-à-dire amener les jeunes à entreprendre, amener les gens à se faire confiance, amener les jeunes à être persévérants. Donc, et aussi amener des hommes et des femmes, c'est-à-dire qui ont vu ailleurs et qui peuvent vraiment les donner de l'inspiration. C'est pourquoi les responsables de la commune estiment que les jeunes doivent s'y intéresser. Le centre nous offre justement une grande opportunité en matière justement de renforcement des capacités. Renforcement des capacités qui passe par des séries de formation, que ce soit formation continue, que ce soit formation diplômante. Et je pense et j'invite l'ensemble justement de tous ceux qui sont présents d'assurer le relais justement de cette information que le centre existe désormais pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-fils. Quant aux experts du domaine de l'énergie renouvelable, ce centre de formation professionnelle ressuscite de l'espoir. Quelques 15 km autour de Sélingué, il n'y a absolument rien à vendre. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à vendre comme produit agricole. Et j'espère que le centre sera une sorte d'impulsion qui va aider les jeunes à s'approprier et puis à s'investir dans l'entrepreneuriat. Ce centre de formation de l'ONG Mali Folk Santé Agneta offre des formations de courte durée, d'une semaine à 2 semaines et de longue durée, de 6 mois à 2 ans.